Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le premier jour de la semaine de la Saint-Valentin. Donc, depuis 2 ans, je vous fais la semaine de la Saint-Valentin, une vidéo tous les jours où je vous présente soit des youtubeuses que j'apprécie, soit des comptes Insta que j'apprécie. Et j'essaye de trouver des idées de vidéos qu'on peut faire toutes les deux pour plus de partage. Voilà, c'est juste le principe de partager des chaînes. Cette fois-ci, ce sera des chaînes que soit je viens de découvrir, soit que j'ai déjà découvert, dont je vous ai déjà parlé, dont je vous ai pas encore parlé, des coups de cœur plus récents, moins récents. Enfin voilà, vous avez compris le principe, c'est juste histoire de vous partager quelques chaînes que j'aime beaucoup regarder. Voilà, pour la petite intro. Et on va commencer, donc toute la semaine, ça sera une palette de make-up à chaque fois avec une youtubeuse différente. Et on a eu assez facile, je trouve, en fait, de trouver des palettes en commun. Ça, c'est bien, parce que du coup, tout s'est bien enchaîné. Les jours de publication aussi, ça a arrangé tout le monde. Donc, tout est parfait. Voilà. Si vous trouvez que la luminosité a un peu changé, c'est parce que je viens d'avoir un souci avec mon anneau lumineux qui... j'arrête pas de rafistoler. Donc voilà, là je viens de faire un truc trop bizarre. Bref, et bien sûr, fond de Saint-Valentin pour la Saint-Valentin avec les loupettes roses. Voilà, les petits nœuds que j'ai eu dans mon swap sur mon cœur lumineux, j'adore. Bref, donc pour cette première journée... ça sera donc avec Kika Beauty, la jolie Francesca, qui est une compatriote belge aussi. Voilà, elle est toute douce, toute mignonne. J'aime beaucoup l'écouter parler avec son petit accent qui me fait fondre. Elle est vraiment adorable. Donc, je vous mets bien sûr sa chaîne juste ici, maintenant. Et en barre d'infos, vous aurez sa vidéo avec son make-up, avec cette palette. Voilà. Donc, on a choisi la Saint Ananas 1. Parce qu'elle me disait que ça faisait très longtemps qu'elle l'avait pas utilisé. Et moi, je l'ai utilisé que 2-3 fois depuis que je l'ai eu dans le swap avec Manon du calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'avais aussi très envie de l'utiliser. Donc on va éviter le gris et le kaki parce que c'est limite les seuls fards, je crois, que j'ai utilisé dans la palette. J'ai fait plusieurs fois le même make-up avec. Voilà, mais là, je me suis dit, premier jour de Saint-Valentin, on va peut-être faire péter le rose flashouille. Voilà, je trouve ça sympatoche. Eh bien, écoutez, voilà, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Kika si jamais vous ne la connaissez pas encore. À lui laisser un max de pouces bleus, des gentils commentaires comme vous savez le faire. Et voilà, nous, on se rapproche et on attaque le make-up. Ok, donc le principe, c'est pas de faire des make-up de foufou, hein, c'est juste, voilà, comme je vous ai dit, le partage. Et c'est très bien comme ça. Donc, j'ai déjà poudré mon arcade sourcilière, mais je vais quand même rajouter un petit peu le fard... Sista Nude, qui est un beige aussi, donc je vais quand même le rajouter un petit peu sous mon arcade sourcilière, mais je l'avais déjà fait avec mon fard Catrice. Je prends même plus la peine de vérifier s'il y a un beige ou pas dans les palettes. J'utilise mon petit fard Catrice et au moins je dois pas me casser la nénette. Si je l'oublie en bas, c'est pas très grave. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule assez précis et on va direct attaquer avec Feelings, donc qui est le rose, rose, très rose. Et je vais le mettre dans mon creux de paupière, en coin externe, en ras de cils. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Franchement, qualité-prix, au top. Au top. Et j'ai été... tellement ému d'avoir la première dans le swap, puisque moi j'avais pas je l'avais raté en fait, la première qui était sortie, donc celle-ci, mais j'ai foncé sur la 2 parce que même que les teintes me plaisaient un peu moins, on va dire, parce que celle-ci a quand même plus de peps, je trouve, et c'est vraiment une qualité de dingue. Ça serait bien qu'elle passe en collection permanente, ces petites palettes-là, parce qu'elles valent vraiment le coup. Voilà, donc on estompe un petit peu le bord. Tranquille ou bilou. Donc je n'ai pas la base Pélouise en dessous, j'ai la Révolution, la Ultimate. Je vous remets le crash test juste ici, si vous ne l'avez pas vu. La Pélouise,
Amy aime bien, donc je lui ai dit, écoute, je te file le reste du tube et je ne sais pas ce qui reste exactement dedans, un peu plus de la moitié, je pense, ou un peu moins. Elle l'aime bien, donc elle l'utilisera parce que moi, je l'aime vraiment pas cette basse. Donc là, du coup, je peux enfin repasser à la Ultimate, rester sur celle-là. Alors, c'est pas que c'est pas une bonne base, hein, c'est juste que suivant ma façon de me maquiller, elle ne me correspond pas. Elle est trop grasse, trop collante, elle accroche trop les fards. Ok, c'est du rose rose. Hein. Alors, je reprends le pinceau que j'avais poudré mon arcade là, et je vais prendre la teinte Mom, ici, qui est un vieux rose. Donc, pour dégrader, ça va être top. J'ai hâte de voir ce que Kika va faire avec cette palette. Enfin, j'ai hâte de voir ce qu'elles vont toutes faire avec les palettes qu'on a choisies là. Il y a Chico qui monte près de moi, je crois. Avec un pinceau estompeur, je peaufine un peu le dégradé. Oui, tu peux venir, viens te chauffer le cul à côté du radiateur. Donc vous allez bien entendre les tic-tic-tic. Hein. Alors, je voulais faire un semi-cut crease, mais j'ai oublié ma base en bas, du coup, donc on fera sans. Je vais prendre la teinte ici, OK, avec un pinceau plat. Que je vais mettre en coin externe. Avec le premier pinceau, je dégrade le bord. Comme d'hab, quoi. C'est toujours la même chose en fait. Hein. Je dégrade sur la paupière aussi. Ensuite, je prends la teinte Merci beaucoup, qui est la violette, avec l'autre côté du pinceau. Hein. Pourquoi je parle à la lunette, hein. Que je vais mettre en partie interne de ma paupière. Le gros soleil. Alors, je laisse le centre un peu vide. Pareil, on dégrade dans le creux et sur la paupière, un peu en coin interne aussi. Voilà, voilà. Avec un petit pinceau précision, je vais prendre la teinte sans doré pour mettre en coin interne. Oh, voilà qui pleure en bas, mais non. J'ai envie de jouer avec le chat, mais le chat n'est pas open, là. Je vais en mettre aussi sous mon sourcil. Et au doigt, je vais prendre la teinte en flic. Je vais prendre le doré. Je crois que je n'ai jamais utilisé celui-là. Et je vais le taper au milieu de ma paupière. Peut-être pas assez clair. On va mettre un tout petit peu plus de contraste. Donc là, je vais déjà estomper partout. J'essuie mon doigt et je reprends la teinte sans doré du coup pour remettre par-dessus. Voilà, c'est un peu plus clair, c'est mieux. Avec mon pinceau plat, je reprends un petit peu de chaque teinte que j'avais mis de chaque côté pour faire une plus jolie transition. Donc pour les fards, on est bon. Ensuite, je vais faire un trait de liner. Donc là, pour l'instant, j'utilise le essence parce que j'essaye de le terminer. Hop, vous ne voyez plus. Chose qui est assez compliquée parce qu'il tient bien. J'ai oublié de mettre mon crayon noir en muqueuse. J'ai essayé de ne pas foirer cette fois. Ce serait bien. Ouais, pas raté. On repassera. Hein. Ah, je vous jure. En ce moment, le liner, il m'aime plus trop. Alors, en muqueuse supérieure, je vais mettre du crayon noir. En muqueuse inférieure, je vais mettre le crayon mauve, comme ça, des obsessions de chez Révolution. Et je vais mettre quelques paillettes en dessous de mon liner, hein, comme d'habitude. C'est les roses que j'avais eues dans le calendrier de l'Avent H&M. Mascara, rouge à lèvres, et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà ce qui conclut ce look, ce premier look de Saint-Valentin. Donc sur mes cils, j'ai mis le size up en format mini sur les cils duo et
le Wet n Wild sur les cils du bas. Et sur mes lèvres, j'ai mis le combo Pillow Talk de Charlotte Tilbury, le mini crayon et le mini gloss. Et j'aime beaucoup le combo des deux. Voilà. Donc, voilà le make-up avec cette palette. N'hésitez pas, enfin, n'oubliez pas surtout d'aller voir la vidéo de Kika qui est en barre d'infos pour voir quel make-up elle aura fait avec. On ne se concerte pas avant, donc c'est surprise pour toutes les deux. Donc Kika, je te remercie infiniment d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi, d'avoir été ma Valentine. Les filles, je leur ai demandé si elles voulaient bien être ma Valentine d'un jour avec ces vidéos. Elles ont toutes dit oui, donc merci les filles. Merci Kika, reste comme tu es très pétillante et tu es très agréable à écouter. Voilà, ça me fait toujours, j'ai toujours le sourire quand je te regarde, donc c'est le principal. Il y a toujours les tic-tic de Chico qui tournent en rond. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si ce make-up vous plaît, à me dire en commentaire si vous avez cette palette Sananas et ce que vous en pensez, ou la 2, hein, allez, on va pas exagérer non plus, si vous avez une des deux, est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime vraiment ces palettes. Je vous dis, rapport qualité-prix, c'est de la bombe atomique. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette vidéo par le plus grand des hasards. C'est gratuit. Ça coûte absolument rien pour vous. Et moi, ça me fait super, 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 super plaisir. Donc, on est content. N'oubliez pas d'aller vous abonner à Kika, d'aller liker sa vidéo et lui laisser d'adorables commentaires. Et donc, on se retrouve demain avec une autre personne, une autre palette. Et voilà, en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous.